J'ai rencontré Dean peu de temps après la mort de mon père. J'étais un jeune écrivain qui voulait aller de l'avant. Dean, lui, fonçait tête baissée dans la société. Il venait d'épouser une nana de 16 ans qui s'appelait Marie-Lou. Où est-ce que tu trouves tous ces gens fabuleux? J'en ai jamais rencontré des comme ça. Sois bien sage, hein. Suis mon exemple. Avec Dean Moriarty a commencé la partie de ma vie qu'on pourrait appeler ma vie sur la route. Alors tu t'es enfin décidé à prendre la route. Il ne se sent aucune responsabilité envers ses congénères. Il lui suffit d'être lui-même pour donner du plaisir aux autres. Il donne des illusions. C'est un escroc. Je ne peux plus jamais te revoir. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Je fais tous ces trucs stupides, j'ai des idées tordues tout le temps. À l'intérieur, je brûle, tu comprends? Et je les ai suivis en traînant les pieds, comme je l'ai toujours fait quand les gens m'intéressent. Parce que les seuls qui m'intéressent sont les fous furieux. Ceux qui ont la fureur de vivre, la fureur de dire, ceux qui veulent tout en même temps, ceux qui ne baillent jamais et ne profèrent jamais de banalité, mais qui brûlent, brûlent, brûlent comme des chandelles romaines dans la nuit.